Dans cette vidéo, on a déjà appris les adjectifs possessifs. Mon livre, ta maison, ses enfants. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir les pronoms possessifs. Suivez-moi, c'est une leçon intéressante. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Parisa. Je suis pas française, mais je vous aide à apprendre le français d'une manière très très simple. Les pronoms possessifs, ce sont les mots qui remplacent un nom déjà cité pour éviter la répétition et s'accordent en genre et en nombre. Mais comment? On va les voir. C'est mon livre. À la place de mon livre, on peut dire le mien. C'est le mien, c'est-à-dire c'est à moi. C'est ma maison. À la place de ma maison, on peut dire la mienne. C'est la mienne. Ce sont mes livres. À la place de mes livres, on peut dire les miens. Ce sont les miens. Ce sont mes maisons. À la place de mes maisons, on peut dire les miennes. Ce sont les miennes. Donc, pour moi, pour le pronom « je », on a le mien pour les noms masculins singuliers, la mienne pour les noms féminins singuliers, les miens pour les noms masculins pluriels, les miennes pour les noms féminins pluriels. Et maintenant, pour toi, le pronom « tu ». C'est ton livre. C'est le tien. C'est ta maison. C'est la tienne. Ce sont tes livres. Ce sont les tiens. Ce sont tes maisons. Ce sont les tiennes. C'est son livre. Il ou elle, peu importe. On doit dire c'est le sien. C'est sa maison. C'est la sienne. Ce sont ses livres. Ce sont les siens. Ce sont ses maisons. Ce sont les siennes. On arrive à nous. C'est notre livre. C'est le nôtre. C'est notre maison. C'est la nôtre. Ce sont nos livres. Ce sont les nôtres. Ce sont nos maisons. Ce sont les nôtres. C'est identique. Mais attention aux accents circonflexes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Et maintenant, pour vous, c'est votre livre. C'est le vôtre. C'est votre maison. C'est la vôtre. Ce sont vos livres. Ce sont les vôtres. Ce sont vos maisons. Ce sont les vôtres. C'est identique. Attention aux accents circonflexes, ok? Pour il ou bien elle, pluriel. C'est leur livre. C'est le leur. C'est leur maison. C'est la leur. Ce sont leurs livres. Ce sont les leurs. Ce sont leurs maisons. Ce sont les leurs. C'est identique. Et maintenant, on révise les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Mon, ma, mes. Ton, ta, tes. Son, sa, ses. Notre, notre, nos. Votre, votre, vos. Leur, leur, leur avec S. Les pronoms possessifs. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Le sien, la sienne, les siens, les siennes. Le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres.
Le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Le leur, la leur, les leurs, les leurs. Pour mieux comprendre, je vous donne quelques exemples. Ce n'est pas mon stylo, c'est ton stylo. Pour éviter la répétition stylo, stylo, on peut employer les pronoms possessifs. Donc, à la place de ton stylo, on peut dire le tien. Stylo est un nom masculin singulier. Le tien. Ce n'est pas mon stylo, c'est le tien. Son école est loin de mon école. École est un nom féminin singulier. Donc, à la place de mon école, on peut dire la mienne. Son école est loin de la mienne. Je lui ai donné mon adresse et il m'a donné son adresse. Adresse est un nom féminin singulier. Donc, pour éviter la répétition adresse, adresse, on peut dire je lui ai donné mon adresse et il m'a donné la sienne. Son adresse, la sienne. Mon écharpe est bleue, mais la vôtre est rose. La vôtre, c'est-à-dire votre écharpe. Écharpe est un nom féminin singulier. Mes amis sont français, mais les leurs sont portugais. Les leurs, c'est-à-dire leurs amis. Et maintenant, une remarque très très importante. Essayez de mémoriser ces formules. De, le, égale, du. De, la, égale, de la. Pas de changement. De, les, égale, des. A, le, égale, au. A, la, égale, à la. Pas de changement. A, les, égale, au, avec X. Mais ça sert à quoi? Regardez cette phrase. Benoît n'a pas de clé, il a besoin de tes clés. Pour éviter la répétition, on peut mettre les tiennes à la place de tes clés. Il a besoin de les tiennes. Mais d'après cette formule, de les égale des. Donc, on doit dire Benoît n'a pas de clé. Il a besoin des tiennes. Toi, parlez à ton père, mais moi, je n'ai pas parlé à mon père. À la place de mon père, on peut dire le mien. Je n'ai pas parlé à le mien. À le égale au. Donc, toi, parlez à ton père, mais moi, je n'ai pas parlé au mien. Pour finir, je vous donne un tout petit exercice. Votre fille est plus grande que le nôtre, la nôtre, le vôtre, la vôtre. Écrivez la réponse dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup, à très bientôt j'espère.